Vous le savez, les chasseurs et pêcheurs, on en a de l'équipement, ça c'est sûr et certain. Le problème, c'est que des fois, il peut disparaître. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler avec notre représentant chez Beneva. Salut Pierre, comment ça va? Bien, ça va bien toi, Kate? Bien, ça va bien, merci. Écoute Pierre, c'est vrai quand même, on en a des gens autour de nous à qui c'est déjà arrivé. Ouais. Leur équipement de chasse et pêche, ils s'en vont en région éloignée. Des fois, ils font pas toujours attention à leur équipement ou non plus à comment le sécuriser. Il arrive des incidents, on pense entre autres au vol. Beneva, vous avez des trucs là-dessus. Bien, c'est sûr que quand on est en région éloignée, on a l'impression qu'on est seul au monde puis rien peut arriver. Exact. Le vol, ça arrive en ville. Non, quand on est en région éloignée, il n'y a pas de témoins, donc partir avec de l'équipement, oui, avec des véhicules sur des remorques, mm-hmm, c'est très facile, ni vu ni connu. Donc, c'est important de faire attention. Si on a des véhicules sur des remorques, c'est important de bien les verrouiller, oui, avec vraiment des barrures qui sont conçues spécifiquement pour des remorques et non juste un petit cadenas. Parce que juste le petit cadenas, il va partir assez facilement. Effectivement. Un coupe-boulon, c'est fait, c'est coupé. Il existe vraiment des barrures fermées pour mettre sur la main de la remorque qui vont faire toute la différence, qui vont bien sécuriser. Même chose pour l'embarcation ou encore la motoneige ou le VTT. C'est important de le sécuriser, de le sangler aussi à l'intérieur. Ça retarde un petit peu aussi l'intention lorsque vient le temps de commettre, ouais, un vol. Donc, ça peut être pratique. Parce que pour la compagnie d'assurance, en bout de ligne, nous, ça change rien. Je veux dire, s'il se fait voler, on va faire un chèque, on va déterminer le montant de la perte, puis on va s'entendre avec le client. Mais du côté de celui qui a été victime du vol, mais oui, bien là, on le sait, depuis les deux dernières années, oui, c'est beau, on a reçu le chèque de notre assureur, mais là, après ça, il faut le remplacer parce qu'on veut continuer d'aller à la chasse, on veut continuer d'aller à la pêche. Exact. Et là, il n'y a plus rien de disponible sur le marché ou il n'y a pas nécessairement qu'est-ce qu'on voudrait avoir, ce qui est quand même assez important. Oui. Le véhicule qu'on avait, on l'avait choisi pour des raisons particulières. Là, on doit le remplacer. On regarde qu'est-ce qu'il y a sur le marché. On a de l'argent de la compagnie d'assurance, puis on est content, mais on trouve pas qu'est-ce qu'on veut et ça retarde notre activité, oui, de chasse ou de pêche. C'est important d'y penser. Avec la pandémie, on a eu beaucoup de retard au niveau de l'approvisionnement, oui, et les véhicules récréatifs aussi en ont fait partie. Donc, on est encore sur ce roulement-là. Donc, si on l'a entendu, certaines personnes se plaignent là-dessus au niveau de l'approvisionnement. C'est pas de la faute de votre compagnie d'assurance. C'est, non, vraiment sur le marché de manière générale que ça se passe comme ça. Maintenant, si ça nous arrive, ça, cet incident-là, tu as dit, oui, vous émettez un chèque, qu'est-ce que nous, on peut faire pour faciliter les opérations par la suite? On est victime de vol, mon 4 roues s'est fait voler, qu'est-ce que je peux faire? Bien, le 4 roues, c'est quand même assez simple dans le sens où on va regarder c'est quoi la valeur du 4 roues. C'est sûr que si on a ajouté des accessoires, c'est important de noter ces choses-là, oui, de le déclarer à son assureur s'il y a des accessoires qui ont été rajoutés depuis qu'on a assuré le VTT. Oui. C'est la même chose pour l'ensemble des équipements qu'on a. Si on va à la pêche puis on a un coffre à pêche qu'on a accumulé plein de trucs dedans au fil des années, oui, on sait que ça finit que ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Ça a quand même une bonne valeur. Oui. Donc, à un moment donné, on prend une photo pour figer dans le temps un peu qu'est-ce qu'on a. Donc, si jamais il arrive quelque chose, on est capable de fournir quelque chose à l'expert en sinistre qui va être capable de nous dédommager par la suite au vol ou l'incident qui peut arriver. Donc ça, c'est pour la chasse. Mais l'ensemble des biens qu'on a de façon générale, si on a certaines choses qui sont hors normes, oui, qu'on a payé beaucoup plus cher que, disons, le standard, c'est sûr que si je m'en vais à la chasse, bien, on le sait un peu qu'est-ce qu'on va avoir quand on va à chasse. Oui, ça, c'est normal. Le matériel de chasse ou de pêche standard, ça, c'est correct. On est habitué avec ça. Vous achetez un gros mirador, vous voulez investir cette année. Malheureusement, il est disparu dans un vol. Ça prend quelque chose pour le prouver ou, tu sais, arriver avec quelque, exactement, chose qui est hors norme, comme tu as dit. Je pense que c'est d'avoir une preuve, soit une photo, une vidéo ou quoi que ce soit qui va permettre à votre compagnie d'assurance de pouvoir vous aider dans votre dédommagement. En fait. Exactement. Parce qu'on ne peut pas toujours garder les factures. Ça serait ça l'idéal, oui, mais on le sait. Moi, je ne les ai pas toutes, mes factures de tout ce que j'ai. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire justement pour faciliter le travail. Mais à la base, comme on le disait au début, c'est la prévention. Exact. On fait attention lorsqu'on est en forêt, dans des secteurs éloignés, on garde en tête que
c'est facile à voler, ni vu ni connu, personne ne s'en rend compte, et c'est ça qu'on voit beaucoup. Au niveau des véhicules, très important, les remorques. Le vol, ça se fait sur des remorques. Il n'y a personne qui embarque sur une motoneige ou sur un 4 roues puis qui part avec, parce que pour se rendre là, il a fallu qu'il arrive en voiture. Ça prend un autre transport. Exactement. Donc, vraiment sécuriser la remorque. Pierre, écoute, je pense qu'il y a une foule d'informations qui, des fois, peuvent être pratiques pour les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus d'informations? On appelle notre représentant? Bien, si on a des questions, on appelle notre représentant, puis il va être en mesure de nous donner l'information et d'offrir les bonnes garanties pour être bien protégé. Un énorme merci, Pierre. Je pense qu'on va avoir d'autres sujets à discuter ensemble cette année, d'autres trucs et conseils pour les chasseurs-pêcheurs. Sûrement. Merci, Kate. De l'autre côté de la pause, restez là. On s'en va voir un beau projet de la Fondation de la Faune.